السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، سوسواغ إن شاء الله تعالى نصم لاندي 28 ربيع الأول 1428 de l'Hijra, c'est-à-dire le 16 avril 2007 d'après le calendrier chrétien. Nous allons, inchallah ta'ala, continuer ce qu'on a commencé depuis longtemps sur l'explication des hadiths du fabuleux livre de Cheikh l'Islam Ibn al-Albani alayhi rahmatullah, son livre qui s'appelle Sahih al-Jami' al-Saghir wa Ziyadatu. Avant de commencer, comme toujours, je vais commencer par réviser certains hadiths. Ensuite, on va commencer, inshallah ta'ala, par les nouveaux bi'idn Allah azza wa jalla. Avant cela, je prendrai une seconde. Non. طيب أمي ابتسام اشتي انلوي لو بوان روج بور ندير سولمون سيل يا لو سان سيل يا لو سان ان شاء الله تعالى pour que je ne parle pas dans le vide, yani moi que je sache je n'ai pas enlevé aux frères parce que les frères vont aller à la mosquée, je sais. نعم جزاك الله خيرا. Donc inchallah tiens-moi au courant de temps en temps, écris-moi un numéro 1 pour savoir que il y a le sang inchallah تعالى. On avait vu dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2057, il a dit inna haqqan 'ala Allah ta'ala an la yarfa'a shay'an an la yurfa'a aw an la yarfa'a shay'an min amri Allah illa wada'ah. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que, yani en ce sens, il n'y a pas une chose, il n'y a pas une chose qui atteint par exemple le sommet de la gloire et de la réputation par exemple sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui baisse pas la tête et ne la fasse pas descendre, subhanallah al-azim. Na'am. Comment est venu ce hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une chamelle, si je n'ai pas oublié, qui s'appelait Duldul, sur laquelle il avait l'habitude de faire la course, à faire la course aux autres chameaux ou bien chamelles. Et bien sûr, quand il faisait la course, il ne prenait rien. Ça, pour ne pas rentrer dans le qimar. Il faisait la course seulement comme ça, et à chaque fois, c'était sa chamelle qui sortait la première de la course. Une fois, quelqu'un qui habitait de la campagne, un croyant, bien sûr, un musulman, est venu avec son chameau ou bien sa chamelle. Il est rentré dans la course avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les autres, et c'est lui qui a gagné. C'est lui qui a habité à la campagne. Les gens se sont étonnés, même les compagnons et les autres se sont étonnés, comment un autre chameau puisse-t-il y en ait dépassé le chameau ou la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est étonnant, hein. Même ça pour certains, peut-être ça rentre même pas dans la tête. C'est étonnant, subhanallah al-azim. La chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle peut être dépassée par un autre chameau. Yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut ne pas gagner une course. Ça les a étonnés. Donc c'est en ce sens qu'est venu ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit
n'y a pas une chose qui, Allah subhanahu wa ta'ala, fait monter jusqu'à ce qu'elle atteigne la réputation, la gloire, sans qu'il la fasse redescendre une autre fois. Naam, pour que les gens sachent que ça c'est une sunna qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et que la charme du prophète sallallahu alayhi wa sallam elle-même est régie par ce hadith, elle-même rentre dans ce hadith puisqu'elle a, elle a atteint la gloire et la réputation au point où peut-être c'est devenu une fitna pour les autres. Allah subhanahu wa ta'ala va la faire redescendre et va faire gagner, triompher un autre chameau. Naam, ce hadith on l'a vu bien sûr. On a vu aussi le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le meilleur jour, inna khayra ma tahtajimuna fihi yawm 17 wa 19 wa yawm 21. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi montré que les meilleurs jours où on doit faire la hijama, si on veut la faire, les meilleurs jours c'est quoi? C'est le 17, le 19 et le 21 de chaque mois arabe. Chaque mois arabe. Naam. Le 17, le 19 et le 21 de chaque mois arabe. C'est mieux que de les faire par exemple un 13 ou un 14 ou un 20 ou là. Les meilleurs jours c'est le 17, 19 et comme je viens de dire 21. Et il y a un autre hadith qui dit que ça ce sont les meilleurs jours par rapport au nombre, hein, 17, 19, 21, mais par rapport aux jours eux-mêmes, les meilleurs jours c'est le jeudi, lundi et mardi, ou disons lundi, mardi et jeudi. C'est pour ça qu'il y a un hadith où il est dit que on ne doit pas faire la hijama si c'est un vendredi, samedi, dimanche ou mercredi. Naam, je répète, les meilleurs jours c'est 17, 19, 21 en nombre, et les meilleurs jours c'est lundi, mardi et jeudi. Et les jours où on ne doit pas faire la hijama, ce sont vendredi, samedi, dimanche et mercredi. J'espère que vous avez compris que ça veut dire la hijama, c'est faire sortir du sang avec les ventouses, faire sortir du sang de l'endroit où on a mal, soit dans les genoux, soit dans le cou, soit sur la tête, soit à l'endroit spécialement où, entre les épaules, etc., où on a mal. Naam, c'est pour ça que, à beaucoup de chance, si on peut dire, Havon Kabir, quand quelqu'un yani, rencontre, quand quelqu'un yani, tombe dans un jour où c'est par exemple un lundi, mardi, jeudi, et c'est en même temps un 13, un 17, 19 ou 21. Naam, si quelqu'un tombe, si quelqu'un fait la hijama, il l'a fait un lundi, mardi et jeudi, et en même temps, ce lundi, mardi ou jeudi, c'est un de 17, 19 ou 21, c'est yani, celui-là, c'est bi'idhnillah ta'ala, le plus heureux de ceux qui ont fait la hijama bi'idhnillah azza wa jal. Naam. Ensuite, on avait vu aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on est cherché un petit hadith, il a dit inna suratan min al-Qur'an 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a une sourate du Coran qui ne comprend que 30 versets, mais elle a fait l'intercession, cette sourate a fait l'intercession à un homme jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui ait pardonné. Et ensuite il a dit, cette sourate c'est sourate al-mulk, tabarak alladhi biyadihi al-mulk. Naam, c'est pour ça que cette sourate le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a lisait de temps en temps la nuit avant de dormir, comme il disait des fois yani, elle était couchée, comme il disait qul ya ayyuhal kafirun, comme il disait akhil baqara, comme il disait sourate al-sijda, et ainsi. Naam, donc sourate al-mulk c'est aussi une sourate qui se lit de temps en temps avant de dormir pour ceux qui yani, la connaissent, ceux qui la connaissent par cœur. Naam. On avait dit aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est bon, il a dit inna sahib al-shimal la yarfa'u al-qalama 6 sa'at 'an al-'abd al-muslim al-mukhti'i fa in nadima wastaghfar Allah minha alqaha wa illa kutibat wahida. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
que l'ange qui est à notre gauche, on a quelqu'un à gauche et quelqu'un à droite qui nous écrivent, yani nos actions. Et vous savez, je vous ai dit déjà une fois, il ne s'appelle pas Raqib et Atib, comme c'est dans le Coran, Raqib ou Atib. Raqib ou Atib, ce sont deux attributs pour montrer que l'un d'eux est Raqib, surveille beaucoup, et l'autre est Atib. Mais ce ne sont pas deux noms, ce sont deux adjectifs, disons. C'est-à-dire, celui de la gauche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui de la gauche, quand quelqu'un de nous fait une faute et se trompe et fait un péché, il lève la plume et au lieu d'écrire le péché, il attend 6 heures. C'est Innabi Maustafa. Il dit, si cette personne qui vient de faire le péché regrette et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner, alhamdulillah, sinon il écrira une seule faute, un seul péché. Il écrira quand est-ce 6 heures après. Ça veut dire que quiconque de nous se trompe, alhamdoulilah, ça ne s'écrit pas directement. Mais il y a cette période de quoi? De 6 heures, alhamdoulilah. 6 heures, c'est beaucoup pour celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il revienne à lui et demande le pardon. Subhanallah al-Azim, c'est beaucoup 6 heures. C'est pour ça que, yani, je ne crois pas que quelqu'un fasse un péché, que vraiment il craint Allah subhanahu wa ta'ala, il est sincère avec lui, et il reste, yani, une journée ou les deux journées sans demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une rahma qu'Allah azzawajal de nous donner, yani, 6 heures comme ça pour yani, qu'on revienne vers lui. Ensuite, je vais terminer avec ce hadith et commencer le nouveau, sinon, yani, on ne va pas terminer avec la révision, alors que ce sont tous des hadiths que vous avez entendus, inshallah. طيب, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2114, inna ghilaba jaldi al-kafiri itnan wa arba'una dira'an, itnani wa arba'una dira'an bi dira'i al-jabbar, wa inna dhirsahu mitlu uhud, wa inna majlisahu min jahannama ma bayna makkata wal madina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, au Muftisam, écrivant numéro 1, a dit dans ce hadith, inna ghilaba jildi al-kafir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de montrer dans ce hadith, yani, comment sera demain le kafir avant de rentrer à Jahannam, yani, de quelle taille il sera ce kafir. Barakallahu fikoum. Il a dit, le kafir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le faire rentrer dans Jahannam, sa peau, regardez sa peau, nous tous on a une peau, notre peau, c'est-à-dire, comme vous savez, elle est très fine et mince, non. La peau du kafir fera 21 mètres, subhanallah, la peau, 21 mètres d'épaisseur, 21 mètres. Il a dit bidira' al-jabbar, c'est-à-dire 21 mètres. Ici, il a dit 42 coudées. Et chaque deux coudées, c'est un mètre. Chaque deux coudées, c'est un mètre. C'est pour ça que j'ai dit 21 mètres. Et encore, il a dit 42 coudées avec les coudées d'un géant. Il a dit jabbar, naam, bidira' al-jabbar. Et jabbar, min jabbar, verat al-adamiyin. Comme les cyclopes, etc. Mais moi, j'ai pris le minimum. J'ai pris nos coudées. Nous, qui sont petits de taille, etc. Et j'ai dit 21 mètres. Sinon, ça doit faire peut-être 50, 700 mètres. Il a dit seulement sa peau, son épaisseur, fera au moins 21 mètres. Wa inna dhirsahu mitlu uhud, et sa dent aura la taille de la montagne de Uhud. Ceux qui sont partis en Arabie Saoudite connaissent la montagne de Uhud et combien qu'elle est, yani, haute et grande. Donc le kafir aura
La dent, ces dents, bien sûr, chaque dent aura la hauteur et la grandeur aussi d'une montagne, comme la montagne de Uhud. Quant à la place qu'il prendra quand il sera en enfer, le kafir, la place qu'il prendra, l'espace qu'il prendra, c'est la distance qu'il y a entre la Mecque et Medina, c'est-à-dire à peu près 500 km. Subhanallah. Quand il s'assoit, parce qu'au Jahannam, les gens sont assis, ils n'ont pas debout. Quand il s'assoit, il prendra la place qu'il prendra, il lui faut combien? Il lui faut 500 km. Et j'avais donné une fois la raison, j'ai dit pourquoi tout cela, pourquoi Allah Ta'ala ne fait pas rentrer le kafir avec sa taille normale. Pourquoi? J'ai dit parce que Jahannam est tellement grande, et tellement chaude, et tellement elle brûle, que personne ne peut la rentrer avec notre taille. Car il brûlerait avant d'arriver à, je ne sais pas, des centaines de kilomètres, il brûlerait et il fondrait comme une bougie, comme fond la bougie. Tellement Jahannam est chaude. Et maintenant, puisqu'il est de cette taille, subhanallah al-azim, seulement, ses hanches seulement font 500 kilomètres de taille. Combien qu'il doit faire alors de grandeur, si seulement sa dent, une seule dent, est comme la montagne de Uhud. Alors ça c'est sa dent. Alors lui, combien qu'il doit faire de kilomètres de hauteur. C'est pour ça que Allah Ta'ala le rentrera ainsi pour que Jahannam trouve quoi brûler, trouve tellement de chair et d'os et de viande, etc. Elle peut le brûler parce qu'il est énorme, c'est un géant. Non. Et puis, remarquez combien Jahannam est grande, remarquez. Un kafir, il prend 500 km. Donc, un kafir, il prend 500 km. Combien il y a de kafir et combien vont-ils prendre de distance et de kilomètres? Subhanallah al-Azim, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-Ali al-Azim. Tayyib, quant au hadith d'aujourd'hui, inshallah ta'ala, on commence par le hadith 2150, qui est un hadith authentique. Le hadith 2150, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna li kulli shay'in haqiqatan, wa ma balagha 'abdun haqiqatan al-iman hatta ya'lam anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, il a dit, inna li kulli shay'in haqiqatan. Il a dit chaque chose a, si je puis dire, a une vérité. C'est quoi une vérité? Ça veut dire elle a, disons, un délai qui prouve que elle existe. Naam, chaque chose a une vérité, un délai qui la rend vraie. Naam. Il a dit, wa ma balagha 'abdun haqiqat al-iman. Donc l'iman, la foi aussi, a une vérité, a un dédil. La foi a un dédil. Même beaucoup de dédil. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner un dédil qui montre que on a la foi ou là on ne l'a pas. Ou plus précisément, est-ce qu'on a une foi parfaite ou on ne l'a pas. Il a dit, wa ma balagha 'abdul haqiqati al-iman hatta ya'lam anna ma sabahu lam yakun yukhta'u. Personne n'atteindra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, personne n'atteindra la vérité de l'iman et son dalil jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que il sache que la chose, la chose qui lui est arrivée, elle n'était pas pour qu'elle n'arrive pas. Et que la chose qui ne lui est pas arrivée, elle ne pouvait pas lui arriver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour expliquer un peu, si vraiment tu as la foi, l'un des délits, l'une des preuves de ta foi, c'est quoi? C'est que quand quelque chose t'arrive, jamais tu ne dis pourquoi cette chose, elle aurait pu ne pas m'arriver. Non, beaucoup de gens disent, si je n'avais pas traversé la rue, la voiture ne m'aurait pas, par exemple, comment on dit,
touché ou là qu'on n'aurait pas blessé, etc. Non, c'est-à-dire elle m'aurait pas compris. Tout ça, ce n'est pas vrai, bien sûr. Et beaucoup disent, si je n'avais pas mangé cette chose-là, je n'aurais pas eu mal au ventre. Si je n'avais pas fait ceci, je n'aurais pas eu cela. Ici, le prophète, alayhi sallam, dit le contraire. Il dit, tu n'arriveras pas yani, à la, au vrai iman, à la perfection d'iman, jusqu'à ce que tu ne dises pas cette chose. Ça veut dire que si quelque chose t'arrive, et par exemple, cette chose n'est pas bien, il ne faut pas que tu dises, si je n'avais pas fait ceci, il n'y aurait pas eu cela. Non. Si je n'ai pas été à tel endroit, hein, il ne serait pas arrivé ceci et cela. Beaucoup de gens disent ça. Le prophète Al-Islam dit, tant que tu dis cette chose-là, tant que tu dis une phrase pareille, ça veut dire que le vrai iman, tu n'as pas atteint encore le vrai iman. C'est un délire de la faiblesse de ton iman. Et aussi le contraire. Et il ne faut pas que tu dises aussi que yani, la chose qui ne t'est pas arrivée, yani, que elle aurait pu m'arriver. Non, elle aurait pu m'arriver. Non, ça aussi, ça ne se dit pas. La chose qu'Allah Azza wa Jal n'a pas écrite, ou bien il a écrit qu'elle ne t'arrive pas, elle ne peut jamais t'arriver. Non, elle ne peut jamais t'arriver. Masha'Allah aucun, wa man miyashan miyakun. C'est l'aqidatu ahli sunnati ou jama'a. Non, Masha'Allah aucun, wa man miyashan miyakun. C'est qu'Allah Azza wa Jal. Sha'a, yani, can, arrive. Et ce que Allah Azza wa Jal n'a pas écrit ne n'arrive jamais. Il ne veut pas, n'arrive jamais. Non, c'est ça. C'est comme ça que l'Ahl Sunnah ou le Jama'a, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il veut une chose, elle arrive. Lorsqu'il ne la veut pas, elle n'arrive jamais. Donc, on tire ce hadith que quand il nous arrive quelque chose de ne pas bien, il ne faut jamais dire là, si ce n'était pas ceci, là, ça aurait été pas cela, etc. Non, il ne faut jamais dire cela. Non. Taïb. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2157, qui est un hadith sahih, il a dit Inna li kulli nabiyin da'wa, qad da'a biha fi ummatih, fastujiba lahu, wa inni ikhtaba'tu da'wati shafa'at li ummati yawm al-qiyamah. Il a dit chaque prophète, inna li kulli nabi, chaque prophète a yani ce qu'on appelle un dua exaucé. Ou en France, je sais que vous dites une dua, moi je dis un dua. Chaque prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait un dua, il est exaucé. Il a dit tous les prophètes ont au moins un dua, s'ils le font, il est exaucé. Il a dit, et tous les prophètes ont fait leur dua quand ils étaient dans ce bas monde. Ils ont fait leur dua et Allah subhanahu wa ta'ala l'aura exaucé. Quant à moi, j'ai caché mon dua pour que ça soit une intercession le jour de la résurrection. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam pense à nous et combien il nous aime et combien il aime sa nation. Il n'a pas demandé quelque chose pour lui, mais il a préféré cacher ce doigt, ne pas le faire et le laisser jusqu'à ce qu'il rencontre et on rencontre tous Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il demandera à Allah subhanahu wa ta'ala de faire l'intercession et Allah subhanahu wa ta'ala lui exaucera. بإذن الله عز وجل. Ensuite, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit إن لله مئة رحمة. Dans le hadith 2127, il a dit إن لله مئة رحمة. Allah سبحانه وتعالى a 100 miséricordes. رحمة. 100 miséricordes. أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام. De ces 100 miséricordes, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre une seule. Il n'en a fait descendre qu'une seule. Une seule rahma. Subhanallah al-Azim. Il y en a 100. Il a fait descendre une seule. Et cette rahma, on se l'est partagé, on l'a partagé tous. C'est-à-dire, les djinns, les êtres humains, les bestiaux, les animaux
et le hawam. Le hawam, c'est les insectes et les reptiles, etc., qui ont du poison. Yani, tous, toutes les créatures des hommes qui sont vivantes, vivent avec cette rahma, cette miséricorde. Subhanallah al-Azim. قال فبها يتعاطفون وبها يترحمون وبها تعطف الوحوش على ولدها وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. إذا قال الله سبحانه وتعالى 100 رحمة 100 إلى في ديسوند une seule cette seule رحمة سبحان الله العظيم on l'a partagé nous tous djinn les êtres humains les bestiaux les reptiles les insectes tous les animaux il a dit avec cette seule رحمة tout le monde يعني, tout le monde fait la rahma. Il a dit même les animaux même les animaux il a dit même l'animal l'animal يعني, le, comme le lion comme le tigre comme يعني, l'animal le prédateur il a dit yarhamu walada même l'animal quand, dans un autre hadith comment se dit qu'un animal par exemple traîne comme ça doucement par exemple c'est comment on dit ses petits il les met dans sa bouche et il marche avec et jamais par exemple est-ce que vous avez vu un éléphant par exemple avec le poids qu'il a est-ce que vous l'avez vu écraser par exemple son petit avec son son pied là, jamais il ne fait ça pourquoi la rahma d'où est-elle venue c'est la rahma que Allah Ta'ala a fait descendre Allah cette rahma tous on a pris un peu d'elle et combien qu'il reste il a dit et il reste 99 rahmas 99 miséricordes qui sont cachées chez Allah subhanahu wa ta'ala ses serviteurs le jour de Yom al-Qiyama il y a 99 parce qu'en tout il y avait 100 elle a fait descendre une il reste 99 qui attendent bi'idnillah azza wa jal les serviteurs Yom al-Qiyama ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith il a dit inna lillahi ta'ala malakan a'tahu allahu sam'a al-ibadi falisa min ahadin yusalli aliyya illa ablaganiha wa inni sa'atu rabbi illa yusalli aliyya abdun salatan illa salla alihi ashra amtaliha le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith dans ce hadith 2176 qui est un hadith bon il a dit Allah subhanahu azza wa jal inna lillahi ta'ala a un ange il y a beaucoup d'anges bien sûr mais il a choisi un ange qu'est-ce qu'il lui a donné il lui a donné lui c'est-à-dire il entend lui de yani, des êtres humains il lui a donné lui des êtres humains car des anges entendent bien sûr mais ils n'entendent pas comme nous ils ont une nuit spéciale à eux mais un des anges Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi et lui a donné une nuit spéciale une nuit d'être humain c'est-à-dire pour qu'il puisse nous entendre quand on parle pour qu'il puisse nous entendre et même pour qu'il puisse comprendre ce qu'on dit aussi pourquoi spécialement celui-là il a dit pour que il n'y a personne qui ne fasse une prière sur moi c'est-à-dire il dit Allahumma salli wa sallam ala rasulillah quiconque fait une prière sur moi cet ange me l'apprend cet ange m'apprend que quoi que X dans un autre hadith il cite même le nom il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam X des gens avec le nom et je crois même avec le prénom X des gens même avec le prénom sinon le nom de famille il y en a beaucoup il lui dit X des gens viennent de faire une prière sur toi il te cite comme ça avec ton nom et ton prénom cet ange non. Il a dit alors le prophète a dit alors j'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala que quiconque fait une prière sur moi que toi et Allah que tu fasses 10 sur lui quiconque dit Allahumma salli wa sallam ala rasulillah Allah subhanahu wa ta'ala fait 10 prières sur lui et j'ai dit et redit plusieurs fois que la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs c'est quoi c'est que Allah subhanahu wa ta'ala te cite en haut chez lui devant les anges te cite yani, avec yani,
ce que tu as, ce que tu as de plus beau. Yani, disons, ils vantent tes mérites. Ils vantent tes mérites. Yutni alek. Comme on dit, X. Et mashallah, on vante les mérites de quelqu'un. Donc, subhanallah l'adim, quand on dit, ou bien on dit, yani mieux, Allahumma salli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, wa salli ala Ibrahim, wa ala ali Ibrahim. Le doua que vous connaissez, celui qu'on fait dans la salat, on gagne deux choses. La première, l'ange dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que X vient de faire une prière sur toi. Et la deuxième des choses qui est encore beaucoup mieux, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même va faire 10 prières sur toi. Allahumma salli wa sallam ala nabi rahma. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم على نبي الرحمة. En principe, quand on dit اللهم صل وسلم على رسول الله, on dit pas encore صلى الله عليه وسلم. نعم, on dit اللهم صل وسلم على رسول الله. C'est pas la peine qu'on dise اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم, moi je l'ai dit maintenant une ou deux fois. يعني tellement, يعني j'ai l'habitude de le dire, ça, je ne le contrôle pas. Mais en principe, on dit pas, on dit اللهم صل وسلم على رسول الله. C'est, نعم. Donc, vous voyez, yani, l'avantage de celui qui dit beaucoup, Allahumma salli wa sallam ala rasulillah. Naam. Ensuite, il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith 2173, un hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna lillahi malaika سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a d'autres anges pour montrer combien il y a d'anges et qu'est-ce qu'ils font, etc. Il a dit, Allah azza wa jalla a certains anges, ce ne sont pas ceux qui écrivent, non, ce sont d'autres. Qu'est-ce qu'ils font? Yatoufouna fi at-turuq. Ils marchent dans les rues. Ils marchent dans les rues. Yatamisuna ahl al-dhikr. Qu'est-ce qu'ils font spécialement? Spécialement, leur disons leur travail, c'est quoi? C'est de chercher les gens qui font dhikr Allah, les gens qui sont en train de lire le Coran, les gens qui sont en train de faire un dars, les gens qui sont en train de dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, les gens qui sont en train de parler du paradis, de l'enfer, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, enfin les gens qui yani parlent de dhikr Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهِ. Il a dit, si jamais ces anges trouvent un groupe en train de parler sur ce que je viens de dire, en train de faire dhikr Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'ils disent? هَلُّمُوا إِلَى حَجَتِكُمْ. Alors ils commencent à s'entrappeler, ils s'appellent, venez, venez. Par exemple, celui qui a entendu les gens faire le dhikr, il appelle les autres anges qui sont un peu loin et qui sont en train de chercher. Il leur dit, venez, venez, ce que vous cherchez est ici, venez, venez. Non. Il a dit, ils viennent, alors qu'est-ce qu'ils font? La première des choses, ils se mettent tout autour de ceux qui sont en train de parler sur Allah, sur le paradis, sur le Coran, etc. Ils les entourent avec leurs ailes. Vous savez que les anges ont des ailes. Ou les ajniha mithna thulatha wa ruba'. Il y en a qui ont 2, il y en a qui ont 3, il y en a qui ont 4, il y en a qui ont plus. Donc Jibril alayhi salam, il a 600 ailes. 600. Non. Alors il les couvre, il les entoure comme ça, avec des ailes immenses. Puisque les anges sont bien. Ils sont vraiment des créatures énormes. Il a dit, jusqu'à ce que, subhanallah l'adim, les ailes atteignent le ciel. Non. Il a dit, فَيِسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala demande alors à ses anges, alors qu'il connaît la réponse, wa huwa a'lamu bihim wa huwa a'lamu minhum. Allah subhanahu wa ta'ala connaît la réponse mieux qu'eux, mais il leur demande, il leur dit, ma yaqulu ibadi, mes serviteurs, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Vous les avez entourés, donc ils sont en train de faire le dhikr, mais que disent-ils spécialement? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Alors les anges répondent, fa yaqulun yusabbihunak. Les anges répondent à Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont en train de dire subhanallah, subhanallah. Wa yukabbirunak, ils sont en train de dire Allahu akbar, Allahu akbar. Wa yahmadunak, ils sont en train de dire alhamdulillah, alhamdulillah. Wa yumajjidunak,
nous mettre d'idon, ils sont en train de, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, yani de, je sais pas comment on dit en français, Mijadani Abdi, c'est comme on dit de quelqu'un, yani, qu'il est masha'Allah, quand on parle d'une personne, on dit qu'il est masha'Allah, on lui fait des éloges, on lui fait des éloges, non. فيقول هذا رأوني الله سبحانه وتعالى الله يبغى دموندي est-ce qu'ils m'ont vu سبحان الله العظيم est-ce qu'ils m'ont vu les anges répondent لا والله ما رأوك non والله ils sont pas vu فيقول كيف لو رأوني الله عز وجل dira alors comment s'ils m'avaient vu ceux-là ne m'ont pas vu et voilà يعني ils n'arrêtent pas de dire سبحان الله الحمد لله لا إله الله أكبر alors comment s'ils m'avaient vu Les anges répondent, فيقولون, لو رأوك كانوا أشد لك عبادة. Ya Allah, s'ils vous avaient vu, alors ils auraient encore fait beaucoup plus de ibadah. Ils t'auraient adoré encore plus. وأشد لك تمجيدا. Et ils t'auraient fait encore beaucoup plus d'éloges. وأكثر لك تسبيحا. Et ils auraient fait beaucoup plus de تسبيح. Subhanallah, subhanallah, beaucoup plus. فيقول alors Allah subhanahu wa ta'ala demande فما يسألوني qu'est-ce qu'ils sont en train de me demander les anges répondent يسألون quel jannah ils sont en train de demander le paradis ils sont en train de faire des dua pour que tu les fasses rentrer au paradis فيقول الله عز وجل alors Allah ta'ala dira هل رأوها ils ont vu le paradis comment c'est qu'ils demandent le paradis ont-ils vu le paradis فيقولون les anges répondent non والله يا ربي ما رأوها non والله qui n'ont pas vu le paradis alors Allah Ta'ala dira كيف لو أنهم رأوها alors qu'en est-il s'ils avaient vu le paradis alors ils n'ont pas vu le paradis ils le demandent et ils voudraient rentrer au paradis comment en est-il يعني, s'ils avaient vu le paradis alors les anges répondront لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا S'ils avaient vu le paradis, ils l'auraient demandé yani, beaucoup plus. Non, ils auraient insisté beaucoup plus pour demander le paradis. Ou achid Allah talaban. Et ils l'auraient yani, demandé, yani, ils auraient insisté aussi pour qu'il y rentre dans ce paradis. Non. Ou a'zama fiha raghba. Et ils l'auraient aimé, yani. Il rentrait yani, au paradis beaucoup plus. Naam, s'il l'avait vu. قال فبما يتعودون. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala demande aux anges. Il leur dit, et ces gens-là se réfugient de quoi? فيقولون, les anges répondent, من النار. Ils se réfugient de l'enfer. Ils se demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas les faire rentrer en enfer. فيقول الله عز وجل هل رأوها? Allah subhanahu wa ta'ala va poser la question, il connaît la réponse. Il veut seulement l'entendre d'eux. Il leur dit aux anges, et ils ont vu l'enfer, ils demandent que je les fasse pas rentrer en enfer. Est-ce qu'ils ont vu l'enfer? Ils ont dit, La wallahi ya rabbi ma ra'ouha. Non wallahi, qu'ils n'ont pas vu l'enfer. Alors Allah Ta'ala dira, Kayfa law ra'ouha? Barakallahu fik. Kayfa law ra'ouha? Alors qu'en est-il s'ils avaient vu l'enfer? Alors ils répondront, لو رأوها كانوا أشد منا فرارا. S'ils avaient vu l'enfer, ils auraient fui يعني, beaucoup plus. Ils auraient fui de l'enfer beaucoup plus. وأشد لها مخافة. Et ils auraient eu beaucoup plus peur de l'enfer que maintenant. Maintenant, regardez, ils n'ont pas vu l'enfer et ils ont peur. Alors s'ils l'avaient vu, ils auraient eu beaucoup plus peur. Alors que dira Allah subhanahu wa ta'ala? Que dira Allah subhanahu wa ta'ala? Il dira Ushidukum. Vous les anges, je vous prends comme témoin. Ushidukum. Anni qad ghafartu lahum. Je vous prends comme témoin que je leur ai pardonné. Je vous prends comme témoin que je leur ai pardonné. C'est-à-dire à ce groupe que je leur ai pardonné. Fayaqulu malakun min mala'ika. Alors, un des anges, va dire quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il dira Fihim fulanun laysa minhum. Ya Allah,
il y a une personne qui est assise avec ce groupe et qui n'est pas d'elle. Elle n'est pas des autres personnes. Ça veut dire en d'autres termes, il y a Allah, il y a une personne qui est assise avec elle, mais avec ce groupe, c'est-à-dire, mais elle n'est pas en train de faire le dhikr. Hein, elle avait par exemple, cette personne avait par exemple besoin de quelqu'un de ce groupe, elle est venue s'asseoir pour lui parler de quelque chose, de je sais pas quoi, de la voiture, du mariage, de, enfin c'est pas pour le dhikr. Il y a une chose, il y a une personne qui est assise avec, avec ce groupe, mais qui n'a rien à voir avec le dhikr, hein, avec le dhikr. Que dire Allah subhanahu wa ta'ala? Non, ils ont dit, les anges ont dit, innama ja'a li haja. Cette personne est venue à cause de, elle a besoin de quelque chose, comme j'ai dit. Allah subhanahu wa ta'ala dira, fayaqul, humul qawmu, la ishqa bihim jalisuhum. Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce sont eux, le qawm, ce sont eux, yani, comme on dit à peu près, hein, ce sont eux, yani, le, les vrais hommes, ce sont eux, le vrai groupe, ce sont eux, mes vrais serviteurs. Et à cause de cela, yani, quiconque les a côtoyés, il est d'eux. Allah Azza wa Jal veut dire, même cette personne qui s'est assise avec ce groupe qui faisait le zikr, zikr Allah, même si cette personne ne faisait pas le zikr ou ne s'est pas assise à cause de moi, à cause de moi, à cause de mon paradis, ça ne fait rien, je lui pardonne. Vu quoi? Vu yani, l'amour que je porte à ce groupe. Yani, tellement ce groupe. Yani, je l'aime et il a une valeur chez moi que quiconque s'assoit avec eux, je leur pardonne. Subhanallah. Des fois, on est dans un groupe et on n'est pas deux. On n'est pas deux et yani, on souhaite qu'on soit deux. Et si jamais on meurt avec eux, peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le même degré. Comme si quelqu'un, par exemple, qui est assis, peut-être, il y a des ulamas, des grands ulamas, il est allé pour les écouter, il s'est assis avec eux, il y a eu peut-être un tremblement de terre, ils sont tous morts. Peut-être que ce n'est pas impossible que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne leur degré. Pourquoi? Parce qu'il est mort avec eux, il avait une bonne intention. Et puis d'ailleurs, il viendra avec eux le jour du jugement dernier, parce qu'il était mort avec eux. C'est déjà là un une grande faveur. Et le contraire est valable. Le contraire est valable. Quand quelqu'un se trouve avec des gens qui ne sont pas bien, surtout s'il s'assoit avec eux, yani, exprès, etc. Et s'il se passe quelque chose, il sera puni avec eux, même si quoi? Même si c'était une bonne personne, une personne sincère, etc. Car il n'avait pas le droit, par exemple, de s'asseoir avec eux. C'est pour ça que, par exemple, il n'est pas permis à quelqu'un, même si c'est le plus sincère et le plus croyant, par exemple, de s'asseoir avec des gens qui sont en train de boire de l'alcool. Comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Man kana yu'min billahi wal yawm al-akhir, fala yajlisu ala ma'idatihi yadurru alayha al-khamr. » Naam. Quiconque croit en Allah subhanahu wa ta'ala, au jour du jugement dernier, qui ne s'assoit pas autour d'une table où les gens sont en train de boire de l'alcool. Il ne faut pas dire moi je suis sincère, je suis bien, etc. Car si vraiment tu étais bien, tu étais sincère, tu n'aurais pas désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui t'a interdit de s'asseoir avec ces gens. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a interdit? Parce que quand tu t'assois avec ceux-là, tu risques de quoi? De rentrer dans le jeu. Naam. Tu risques, le shaitan il est là et il va te dire goûte seulement une goutte, etc. Et tu vas devenir comme eux, tu le veuilles ou pas. Je m'excuse une seconde pour le téléphone. Naam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Allah yassim le frère Moutawashrak. Wallah alhamdulillah barakatuh. والله أفضل جزاك الله خيرا أفضل بكثير الحمد لله. أنت وين رك في الجزائر ولا في العمرة؟ نال خبيش صح؟ الله أن يوفق. نعم جزاك الله خير. قلت لك الله أن يوفق. ما تنساش عبد المالك إذا شفتوا بلغ له السلام. لا
فأنت بلغوا السلام من طرفي وخبروا باللي على بالك أنا كي كنت في الجزائر هو كان هنا في الكويت. تقول له يعني قدر الله ما شاء فعل. تقول له أنا متأسف جدا يعني اللي هو كان هنا وأنا كنت في الجزائر. وبلغ السلام من طرفي كذا. نعم. والله المزال شوية. نعم. إن شاء الله تعالى عن قريب. آمين جزاك الله خير. والله ما في شيء. بسلامتك. والإخوة راهم كلهم بخير. بلغ لهم السلام من طرفي. والله تجي هكذا في الليل ما نش عارف علاش. لكن أمره أفضل بكثير والحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم. لا والله ما زال ما قريت. شفت رسالة وصلت ما قريتهاش. نعم. هذه وقت جت من عندك. جت من عندك. استطاعت على الصباح. صح صح ذكرتني تاع الصباح. صح والله فكرت قلت تحشيا نكتب لك ونسيت. نسيت والله. قريبا نسيت. لا والله ما زلت شافي لكن نسيت. قلت من بعد نكتب لك ونسيت. سامحني لا تؤاخذني. جزاك الله خيرا. الله يسلمك بارك الله. ان شاء الله انا انتظر. بلغ سلام الاخوه جميعا فيك بارك الله. جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب امديك جافي اوبليي لو ميكرو. نعم je m'excuse pour le micro qui reste la même. Un mohim. Qu'est-ce que je disais aussi? Où est-ce que j'étais? En principe, quand je fais le DOS, j'éteins le téléphone. Le téléphone. C'est pour ça qu'il faut que je l'éteigne. J'éteigne le portable pour qu'il ne me gêne pas quand je fais le DOS. Bon, alors je l'éteins. Maintenant, je l'ai éteint. Tayeb, j'étais où exactement? Naam, je disais que. طيب نعم je disais que la fréquentation ça joue un grand rôle. La fréquentation ça joue un grand rôle. Et souvenez-vous du chien de sorte il casse. Lorsque Allah Ta'ala a dit wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit. Allah subhanahu wa ta'ala a cité un chien dans le Coran, subhanallah. Pourquoi le Coran, le fabuleux Coran, yani masha'Allah, majestueux Coran, Allah subhanahu wa ta'ala va faire parler à l'intérieur d'un chien. Il a dit, pourquoi il parle d'un chien? Un chien, on parle d'un chien dans le Coran, parce que ce chien a le mérite, quel mérite? D'avoir côtoyé et fréquenté des gens bien. Les gens qui étaient croyants et qui ont fui du tyran qui voulait, qui l'adore, qui n'adore pas Allah et qui adore cette personne. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, puisque ce chien a côtoyé des gens qui sont pieux, mashallah, il a eu la faveur et le mérite, subhanallah al-azim, d'être cité dans le Coran. On prend de ce hadith que je viens de citer, le hadith des anges qui entoure les gens qui font le zikr. Regardez, remarquez avec moi lorsque Allah subhanahu wa ta'ala pose cette question. Il leur dit, ils sont en train de demander quoi? Les anges répondent, ils sont en train de demander le paradis. Et un peu plus loin, Allah ta'ala il dira, ils sont en train de se réfugier de quoi? Les anges répondront, ils sont en train de se réfugier de quoi? De l'enfer. C'est un délit, masha'Allah. Vous savez, c'est un délit pourquoi? Où est-ce qu'on utilise ce délit? C'est un délit pourquoi? Naam, c'est un délit, un grand délit. C'est une épée tranchante. Une épée tranchante qui brise le dos de qui? Le dos des soufistes. Qui disent que quoi? Qui disent que nous,
on ne fait pas le commerce avec Allah. Nous, on l'adore sans lui demander le paradis. Et on l'adore sans avoir peur de son enfer. Et ils disent que Rabi'a al-Adawiyah dit ça. Cette femme, je ne sais pas si vraiment elle a dit ça ou là, on lui a fait dire. Mais de toute façon, les soufis disent comme ça. Disent moi, et beaucoup de gens aussi se trompent de nos jours, ils disent comme ça sans savoir. Ils croient qu'ils disent quelque chose de bien. Moi, j'adore Allah pour Allah. J'adore pas Allah pour son paradis et ni pour son enfer. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Regardez ici. Allah Ta'ala a dit, ils veulent quoi? Ils ont répondu, ils veulent son paradis. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de ton enfer. Naam. Comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran. وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا. Ils nous faisaient des doigts رغبا. Ça veut dire, يعني رغبا, tout en voulant le paradis. Et رغبا, tout en ayant peur de l'enfer. Naam. Celui qui n'a pas peur de l'enfer, c'est quelqu'un, c'est un mutajabber. C'est quelqu'un qui prétend, يعني, ne pas avoir peur. Naam. Celui qui prétend ne pas avoir peur, il dit, moi, j'ai pas peur de l'enfer. Et celui qui dit, je ne demande pas Allah le paradis, c'est quelqu'un du mutakabber aussi. C'est comme s'il disait, moi j'ai pas besoin du paradis. Ya Allah, moi je fais mon adoration seulement pour toi. Je n'ai besoin du paradis et j'ai peur de l'enfer. Alors que les prophètes, alayhi salatu salam, avaient beaucoup beaucoup peur de l'enfer. Naam. Et c'est pour ça, plus tu as peur d'Allah, plus tu as peur de son enfer. Et plus tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu aimes son paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous demandez le paradis, c'est pas non seulement demander le paradis, mais encore demander le firdaus al-a'la. Naam, demander le plus haut paradis, qui est firdaus. Le firdaus, c'est le plus haut paradis. Au point où son saqf, le saqf, c'est-à-dire le plafond. Son plafond, c'est quoi? C'est le bas du arche, du trône. C'est le bas du trône d'Allah subhanahu azza wa jalla. Donc vous voyez que en islam, on demande le paradis à Allah et on insiste pour qu'il nous fasse rentrer en paradis et on insiste pour qu'il ne nous fasse pas rentrer en enfer. On ne fait pas comme les soufistes qui disent on n'a pas peur de l'enfer et on n'a pas envie du paradis. La hawla wa la quwwata illa billah. Il reste 10 minutes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih numéro 2184, il a dit: inna li hadha al-hajar lisanan wa shafatayn yashhadu liman istalama yawm al-qiyamati bi haqqi. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, il parle de quoi? Il parle de la pierre noire, le Hajar al-Aswad, qui se trouve à la Mecque, qui se trouve spécialement dans la Kaaba, dans un des côtés de la Kaaba. Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, cette pierre, la pierre noire, le jour du jugement dernier, elle aura quoi? Elle aura une langue. Elle aura deux lettres. Subhanallah, c'est étonnant. Ce n'est pas étonnant. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout est possible. Une pierre peut parler sans avoir de langue et sans avoir de deux lèvres. Comme beaucoup de pierres ont dit au prophète alayhi salam, lui ont dit salam alaykoum avant qu'il devienne prophète. Tout le monde sait cela. Et ces pierres-là n'avaient ni lèvres ni langue. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va donner spécialement à la pierre noire Ali, il va lui donner quoi? Il va lui donner deux lèvres et une langue. Pourquoi spécialement? Yeshhad, pour qu'il témoigne, pour que cette pierre témoigne à toute personne qui l'a touché de haqq, à toute personne qui l'a touché de sincérité. Naam, il y a des gens qui vont au hajj et qui touche, non seulement touche la pierre noire, mais l'embrasse, comme c'est dans la sunna. L'embrasse, mais on ne connaît pas quelle est leur intention. Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît, c'est quoi leur intention? Est-ce qu'il l'a embrassé
parce que c'est la sunna, et parce que pour que cette pierre témoigne demain, ou là il l'a embrassé et il est venu au Hajj, pour que quand il revienne, les gens disent Masha'Allah, et que ça fait le Hajj, voilà le Hajj Flan, le Hajj Omar, le Hajj Ali, et le Hajj Khadija, et le Hajj Fatima, qui est venu du Hajj, je ne sais pas. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait quelle est l'intention qui l'a poussé à aller au Hajj. Et nous, bien sûr, inshallah ta'ala, on ne pense des gens que le bien. Nous, tant qu'on n'a pas un délit, tant qu'on n'a pas un délit, on dit que inshallah ta'ala, ils sont partis pour faire le Hajj sincèrement. C'est comme ça qu'on marche en général. Quand on a un délit, que c'est un hypocrite ou là, ça c'est autre chose. Mais en général, on ne blesse pas les gens et on ne dit pas qu'ils sont pas bien ou ce sont des munafiqins ou ce sont ceci. Nous, le musulman, le croyant, on le prend du bon côté. On dit Inch'Allah Ta'ala, il est parti. Inch'Allah Ta'ala, il est sincère. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est mieux. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je crois que ce hadith, je crois que je l'ai expliqué une fois, il me semble, mais il est venu aujourd'hui, peut-être avec d'autres, en d'autres termes, c'est le 2186. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna li hadhihi al-buyut awamir, fa idha ra'aytum shay'an minha, فحرجوا عليه ثلاثا فإن ذهب وإلا فاقتلوا فإنه كافر. والقوفة عليه السلام قال يعني إن هذه البيوت يعني سميزون أن si je puis dire des remplissants عوامر يعني c'est quoi qu'est-ce qu'il veut dire des remplissants يعني il y a des djinns qui habitent. Vous savez que beaucoup de maisons sont habitées par des djinns. نعم toutes les maisons qui se trouvent يعني dans des endroits où autrefois c'était des ravins, c'était des choses comme ça. Ensuite, on vient construire une maison là-bas, on vient construire où le djinn habitait, et le djinn va automatiquement se trouver dans la nouvelle maison qu'on vient construire. Non. Il a dit, فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْءٍ مِنَا فَحَرِّجُوا عَلَيْهِ ثَلَاثًا. Le prophète sallam a dit, quand vous voyez quelque chose, par exemple dans la maison, là vous voyez un serpent, ou là vous voyez, il ne faut pas tuer directement. Il ne faut pas tuer des... Pourquoi ? Ça peut être un djinn musulman. Et le djinn musulman, on n'a pas le droit de le tuer. Le djinn musulman, c'est quelqu'un comme toi, qui a été créé pour adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, même le djinn kafir a été créé pour adorer Allah, mais il ne l'a pas adoré. Donc, on ne doit pas tuer un djinn comme ça directement. C'est pour ça que beaucoup de gens se trompent, qu'ils vont faire la ruqya, et quand il trouve pas directement, il le brûle, il le tue, etc. Alors qu'il oublie qu'il va tuer qui ? Quelqu'un de musulman. Il a oublié qu'il allait tuer quelqu'un de musulman. Il doit prendre beaucoup de précautions. Il a dit, donc, on ne tue pas comme ça directement, mais harriju alayhi thalathan. Ça veut dire, tu dis à ce serpent-là, tu lui dis, écoute, yani, tu es dans l'embarras ici, trois fois. Tu es dans l'embarras. Le hadith est dans le Bukhari, bien sûr. S'il veut pas y aller, si c'est un croyant, quand il entend cette chose, il lui est ordonné qu'il quitte la maison et qu'il parte. Et l'année, il devient invisible, tu ne le vois plus, ou bien tu le vois comme ça partir ce serpent et il s'enfuit. Maintenant, si c'est un kafir, il ne veut pas partir, tu prends un revolver ou la lance ou la je ne sais pas quoi et tu le tues, tu n'as, Inch'Allah Ta'ala, aucun péché d'un côté et de l'autre côté, il ne peut te faire aucun mal. Et je me rappelle maintenant d'avoir expliqué dans ce hadith que quelqu'un est revenu une fois d'un voyage, il a trouvé sa femme devant la porte. Avant d'arriver, quand il l'a vu de loin, il lui a dit, tu es divorcé. Autrefois, les hommes étaient beaucoup, beaucoup jaloux de leur femme. Une femme que j'ai laissée à l'intérieur de la maison, je la trouve dehors. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait devant la porte sans m'avoir demandé la permission. Autrefois, c'était intolérable. Il l'a divorcé avant d'arriver. Il lui a dit, tu es divorcé. Et le fait d'être devant la porte. Elle lui a dit, attends que tu arrives et tu comprends. Attends que tu arrives et que tu comprends. Quand il est arrivé devant la porte, elle lui a dit, rentre, voir qu'est-ce qu'il y a. Rentre, on m'a divorcé, rentre, voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur.
il est rentré à l'intérieur, il a trouvé un grand serpent, vraiment un serpent énorme. Et bien sûr, la femme ne pouvait pas rester à l'intérieur de la chambre avec un serpent. Elle était, c'était la cause qui l'avait fait sortir. Et le moyen, quand il est rentré, ce compagnon, je crois, ou là, il ne connaissait pas ce hadith, il a pris une lance et il a voulu tuer ce gros serpent. Ce grand serpent, qui n'était d'autre qu'un djinn, a sauté sur lui et ils ont commencé à se, je sais pas comment on dit le mot, à se bagarrer, et ils sont morts des deux. Il a frappé le serpent avec la lance et le serpent l'a tué et ils sont morts les deux. Naam. S'il connaissait bien sûr le hadith, il aurait dit il n'a qu'à faire haraj trois fois. Ensuite, si le serpent n'avait pas quitté les lieux, il l'aurait tué bi'idhni ta'ala facilement. Ce sont des choses, bien sûr, que ce sont des choses que seul le croyant y croit. Si vous dites ça à un kafir, là, il risque de. C'est pas il risque. Il va mourir de rire. Il va dire vraiment là, c'est quelque chose qui rentre pas dans la tête. Parler à un serpent et lui dire tu es dans l'embarras, etc. Là, il te dit ça ne rentre pas dans la tête. Mais nous, alhamdoulilah, on n'est pas quoi. Nous, on ne suit pas nos passions et nos tentations. Nous, on a une sharia qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous a été transmise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ahkamuha kulluha adl wa akhbaruha kulluha sidq. C'est la meilleure sharia, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, on est comment on dit, on se vante d'avoir cette sharia et de connaître la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de connaître beaucoup de choses que les gens ne connaissent pas. Beaucoup de choses. Je ne dis pas que les koufars ne connaissent pas, mais que les musulmans ne connaissent pas. Plus tu connais la sunna, plus Allah subhanahu wa ta'ala t'aide à comprendre un hadith sahih, à comprendre son sens. Plus, mashallah, tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala et plus tu comprends une chose que les autres n'ont pas encore compris et n'ont pas encore su. Mashallah. À chaque fois que tu apprends une chose, tu dépasses les choses qui n'ont pas, les personnes qui n'ont pas encore su ce hadith. Et qui n'ont pas, bien sûr, qui n'ont pas. Donc, chaque verset contient une lumière qui rentre dans ton cœur pour t'illuminer encore plus. Et chaque hadith, chaque verset comprend quelque chose qui te rapproche d'Allah et qui est loin de l'enfer. Et chaque verset, chaque hadith, mashallah, comprend quelque chose qui, si tu l'as fait, c'est toujours pour ton bien. Et si tu t'en éloignes, si le hadith te dit éloigne-toi de cette chose et tu t'en éloignes, tu ne trouveras que du bien. Car jamais Allah subhanahu wa ta'ala, jamais au grand jamais, ne nous demande de nous éloigner de quelque chose qui est en notre bien. Jamais au grand jamais. Allah Ta'ala, s'il te dit de ne pas faire quelque chose pour son prophète, alayhi sallam, ça veut dire qu'il te veut ton bien. Jamais quelque chose n'est bien pour toi, et Allah Ta'ala ou son prophète, alayhi sallam, va te dire éloigne-toi de cette chose. Et le contraire est vrai. Jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne t'ordonne de faire une chose, ou bien son prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans que cette chose soit profitable pour toi. Non, c'est dans tes intérêts à 100%. Même si toi, dans ta tête, tu ne vois pas l'intérêt. Tu dis, subhanallah, pourquoi je fais cela, je ne comprends pas, etc. Fais-le. Allah Ta'ala t'a dit de faire cette chose. Fais-la, n'essaie pas de beaucoup de comprendre, essaie d'appliquer beaucoup plus. Et tu verras aujourd'hui, ou demain, ou le jour du jugement dernier, tu verras l'avantage d'avoir, d'avoir obéi à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je terminerai avec le dernier hadith. Déjà, j'ai pris du temps, 5 minutes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna mathal alladhi ya'udu fi atiyatihi kamathali kalbi akala hatta idha shabi'a qa'a thumma 'ada fi qay'ihi fa akalahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, il a dit: celui qui fait un don d'une chose,
Par exemple, moi, j'offre à quelqu'un, je ne sais pas, par exemple, un livre ou là, une montre ou là, un laptop ou là, je ne sais pas quoi. Ensuite, un petit jour ou là, dans un mois ou là, dans une heure ou là, tu demandes à la personne à laquelle tu as donné la chose, tu lui dis, rends-moi ma chose. Il a dit, celui-là ressemble à qui? Il a dit, c'est comme le chien. Pourquoi exactement comme le chien? Il a dit, le chien mange, jusqu'à ce que quand il se rassasie, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à vomir. Ensuite, quand il vomit, qu'est-ce qu'il fait? Il va remanger son vomissement. Non, il va manger son vomissement. Non, quand on donne à quelqu'un une chose, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de nous dire, rends-la-moi. Rends-la-moi. Le prophète Ali Sosem a dit, sauf le père avec son fils. Même pas la mère, on n'a pas le droit. Car le hadith a dit, sauf le père. Le père, quand il te donne une chose, il te dit, mon fils, par exemple, je te donne la voiture. Et encore, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit si vous êtes nombreux. Il donne à tout le monde la voiture ou il ne donne à personne. Et moi, supposons que ton père te donne une montre. Il te dit, tiens, prends cette montre. Il a le droit, demain ou là, après une heure, il te dit, rends-moi ma montre. Naam, il lui dit, je te rends ta montre, merci mon père. Il a le droit. À part le père, aucune personne n'a le droit, si elle donne une chose à une autre personne, de lui dire ainsi, je rends-la moi. Et encore, elle ne l'achète même pas si elle la trouve en train de se vendre. Naam, si je te donne, je donne à quelqu'un une montre, ensuite cette personne va vendre cette montre. Ensuite, moi je trouve cette montre en train de se vendre dans le souk. Je n'ai pas le droit de l'acheter parce que je l'ai déjà donné cette chose. Quand je donne une chose en bas, il ne faut pas que je la reprenne. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a quitté la Mecque en bas, il n'est jamais revenu. Pourquoi? Quand on quitte quelque chose, on donne quelque chose pour le visage d'Allah, on ne doit jamais y revenir. On ne doit jamais y revenir. Voilà ce que je voulais dire. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك استغفرك واتوب اليك. On commence ان شاء الله تعالى directement par les questions. ان شاء الله vous posez les questions qui ont rapport avec le DAS. طيب permettez-moi ان شاء الله تعالى juste 5 minutes et je reviens ان شاء الله تعالى. Préparez vos questions juste 5 minutes ان شاء الله تعالى. Je reviens pour les DAS pardon pour les réponses ان شاء الله تعالى. طيب je choisis si vous voulez poser les questions directes à main levée, posez-les directement à main levée si vous voulez. Sinon, il y a pour les sœurs, il y a la sœur Ibtissam. Il y a la sœur Ibtissam pour les sœurs. Il y a le frère Riyad. Il y a le frère Riyad pour les frères. Salam ala shaf al-mustalim. On commence inshallah ta'ala. On commence par une question écrite. Est-ce que Riyad ou la Omiftissam ont des questions? Est-ce que Riyad ou la Omiftissam ont des questions? Riyad, tu as une question? طيب فريدة ان شاء الله تعالى تفضل. يا ابو مريم 22 تفضل pour ne pas perdre de temps. ابو مريم السلام عليكم شيخ. Vous avez dit une fois qu'on ne pouvait pas dire quelle personne morte mécréante est en enfer. Je dis maintenant il y a le son. Non. Abou Mariam, je pense, Allah subhanahu wa ta'ala alam, que peut-être tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Allah azza wa jal alam. Je voulais dire que
pour nous, quiconque nous a montré sa mécréance et son kufr, c'est un kafir. Mais le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala sait, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala sait, celui qui yani, a connu le chemin, etc., il n'a pas voulu suivre, et celui auquel, par exemple, l'islam, le vrai, etc., n'est pas arrivé. Moi, si je vois quelqu'un mettre une croix, par exemple, et on me dit il est mort avec la croix sur son cou, je leur dis, celui-là, c'est un kafir. Pire que cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit حيث ما مررت بقبر مشرك أو كافر فبشره بعذاب النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit où tu passes, je crois qu'il a dit à Ali ibn Abi Talib, il a dit où tu passes et tu trouves une tombe de mécréants, apprends-lui que c'est l'enfer qui l'attend. Là, c'est le châtiment de l'enfer qui l'attend. Donc moi, je prends avec quoi? Je prends avec l'apparent. Les apparences. Pour moi, quelqu'un a mis une croix, pour moi c'est un kafir. Maintenant, si demain Allah subhanahu wa ta'ala sait que j'ai entendu dire ça, ça c'est autre chose. Voilà la réponse inshallah ta'ala Abu Mrim de ce que je voulais dire. On le juge mécréant ici-bas. Oui. Naam, ici-bas. Mais je voudrais savoir si on peut dire. Naam, c'est ça. Inch'Allah ta'ala. Ici-bas, sur son cou, par exemple. Naam. Peut-être. Peut-être. Ça, ça m'intéresse pas. Moi, je prends par les apparences. Non, je prends par les apparences. Je viens de dire que le hadith que je t'ai cité, où il est dit, si tu passes devant ton de kafir, tu lui dis que le châtiment t'attend, c'est un hadith authentique. C'est un hadith authentique que Yani Sheikh Al-Albani a dit, c'est un hadith authentique. Dans, si je n'ai pas oublié, dans son livre Silsila Sahiha, si je n'ai pas oublié, dans le tome 1 de Silsila Sahiha, Allah subhanahu wa ta'ala alim. Mais je n'ai pas lu comme ça yani, dans des fêtes à Waoula de, yani, que c'est une sunna de le faire. Moi je l'ai fait personnellement plusieurs fois yani, je l'ai fait comme ça juste pour appliquer le dit, mais yani, je ne l'ai pas trouvé comme ça dans des livres où il est dit que à chaque fois que tu passes, tu dis. C'est trop. Alors, ça l'aime. Non. Qui Om Iftissam, ta femme va dire. Fridon, pourquoi tu n'as pas posé la question? Tu n'as pas le point rouge, pourquoi tu n'as pas posé ta question? Om Iftissam, ta femme va dire. Oui, Fridon va poser. Est-ce qu'on peut considérer et que nous et vous même ce pasteur ont constitué un groupe en de leurs ailes? Est-ce qu'on peut considérer que nous et vous même ce pasteur ont constitué un groupe que les anges enveloppent de leurs ailes? Je voudrais dire Allah subhanahu wa ta'ala alam, que le hadith venait d'expliquer, c'est un hadith où il est dit que les anges, ces anges là chez les gens qui sont dans les rues, on n'a pas dit dans les maisons, les gens qui sont dans les rues, ils les cherchent. Mais moi, toi et ceux qui sont donc inchallah, il n'y a pas un groupe, il n'y a pas un groupe qui pas de sang. Est-ce qu'il n'y a pas de sang? Ils ont dit qu'il n'y a pas de sang. Est-ce qu'il n'y a pas de sang? Je voudrais être sûr qu'il n'y a pas de sang. 0-1. Je disais, il y a un autre hadith où il est dit que yani, si jamais des gens yani, implorent Allah subhanahu wa ta'ala et font le zikr, etc., qu'il y a des anges qui viennent
et qui les entoure avec, avec leurs anges. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre Sakina et sa miséricorde et ça. Ça c'est un autre hadith qui ressemble beaucoup à ce premier, sauf que ce premier est spécialement pour ceux qui sont dans les rues. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Oum Ibtissam a dit, est-ce qu'un homme peut pratiquer l'azl afin de contrôler les naissances, tout en sachant qu'il s'agit d'un couple de jeunes mariés qui n'ont pas de, d'enfants encore? Barakallahu fikum. En principe, quand un couple, fika barakallah, quand un couple est nouveau marié, il ne commence pas à penser à ça. Non, quand un couple à ça. Au moins s'il avait déjà un ou deux ou trois, yani ça aurait été moindre. Mais ils n'ont même pas d'enfants, yani ils commencent déjà à penser à ça. Premièrement, azl, si on le fait, yani pour espacer les naissances et contrôler, etc., pour que pour bien éduquer les enfants, etc., inshallah ta'ala, ça se fait. Mais ça se fait pas quand on le fait, quand on a peur. On a peur que quoi? On a peur de ne pas pouvoir les nourrir. Certains comme ça disent, ils disent, oh, je ne veux pas avoir beaucoup d'enfants, ma paye est faible, je ne travaille pas, je n'ai pas de quoi les nourrir, etc. Ça, ça devient ou bien haram ou bien makruh. Ou bien haram, ou bien au moins makruh. Et c'est pour ça que je rappelle à mes frères et mes sœurs qui savent, mais je le rappelle, c'est tout. Je sais que chaque bébé qui vient, chaque nouveau bébé qui vient, il vient avec son risque, il vient avec ses biens. Et des fois tu es pauvre, tu es le plus pauvre, et Allah subhanahu wa ta'ala te donne un enfant, et cet enfant a cet enfant une grande richesse, et tu deviendras riche à cause de quoi? À cause de cet enfant. Donc il ne faut pas que si l'enfant va venir, un autre enfant, ça veut dire on n'a plus de quoi le nourrir. Peut-être que le 8e ou le 9e qui va venir avec, ce sera un grand richard. Allah Ta'ala va faire venir avec lui des richesses et beaucoup d'or. C'est comme ça que le musulman, inshallah Ta'ala, doit penser bi'idna azzawji. Minhaj 2, tafadlal. Je dis donc, excuse-moi de te faire descendre, c'est juste pour la liste. Salam alaykoum. Dans le hadith des anges qui cherchent les personnes qui font dhikr, j'ai pas retenu le numéro, je voulais savoir si c'était valable aussi quand c'est une personne seule. Naam, c'est valable pour une personne seule. Naam, d'être en groupe, on n'est pas obligé d'être en groupe quand on est seul. Naam, ça on rentre inshallah ta'ala dans le hadith, et le hadith, te donner le numéro, puisque tu cherches son numéro, attends-moi dans une seconde que je lise dans le livre. Non, attends-moi une seconde que je lise dans le livre. C'est le numéro 2173. Le numéro 2173. Jamal Ahlul Hadith. Jamal Ahlul Hadith, tafadhal. Riyad ou là au multisamment des questions qui me l'apprennent, qui me l'apprennent des fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Sheikh, wa barakatullahi wa fiqh. Très content de vous réécouter, mashallah, la musique. Amin. Amin, ya Rabbi al-Alamin. Moi aussi, je suis très bon encore une fois. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aide et qui nous préserve du mal, et qui
النزول يعني nos portes, pardon, ces portes et nos cœurs sont des bismas. Est-ce qu'un djinn peut prendre une apparence d'une mouche ou moustique ou autre et être chez nous? Est-ce qu'un djinn peut prendre une apparence de mouche ou moustique ou autre et rentre chez nous en entrant par la fenêtre? Donc faudrait-il ne pas la tuer ou employer un produit contre insectes? Wallahu a'lam. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أسلم يا ولا. أجوبين. زيرو. آه. une seconde إن شاء الله تعالى. Je sors et je reviens. Une seconde إن شاء الله تعالى. Je sors et je reviens. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمال له بديت في مونتون. Je pense que Riyad n'est pas là, alors les CPV sont bloqués. نعم. Il faudrait débloquer un autre frère pour les questions. معليش. Pas de problème, Inch'Allah. Et avant de répondre à cette question, je voudrais dire à Ourt Salafia, Inch'Allah, que Oum Souleymane du 13 te demande de débloquer pour te parler, qu'elle a besoin de te parler. Non. Oui. Erfarid, je t'enlève le point rouge. J'enlève le point rouge à Erfarid. Je le disais pour le F aussi, ou pour une araignée. Chouf, Jamal Ahadith. Nous, Inch'Allah Ta'ala, on se suffit aux ahadith. Les ahadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith sahih, a montré quoi? A montré, c'est-à-dire on dit disons que il a dit des djinns qui ont des ailes, et il a dit troisième sorte qui sont en forme de serpent et de chien. Et le hadith a montré que la plupart du temps ce sont des chiens noirs. Et le Coran a ajouté il a ajouté que il y avait des chayatins qui plongeaient très sous l'air. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé de djinn, il a montré que la troisième sorte c'était des serpents et des chiens. Et dans un autre hadith, des chiens noirs. Donc on se suffit aux serpents et aux chiens. On ne peut pas dire une moustique ou là une araignée ou là que c'est un djinn. On ne peut pas dire parce qu'on n'a pas de dédié. Ensuite, on risque même de rentrer dans. À chaque fois qu'on il y a du sang, alhamdoulilah. Alors alhamdoulilah, j'allais fermer la salle et rentrer. Ça y est, Jamal Ahlul Hadith, j'espère que tu m'as entendu, Inch'Allah Ta'ala. J'ai dit que il fallait se suffire au hadith. Le hadith a dit les djinns se transforment en quoi? En serpent et en chien. Idnillah Ta'ala, serpent chien, bi-idnillahi subhanahu wa ta'ala. La tombe, je t'ai donné inshallah ta'ala le micro, ta fadda. Je t'ai enlevé le plan rouge, ta fadda. Tayyib, Abu Abdul Malik al-Athari. Ta fadda inshallah ta'ala pour ne pas faire de temps. Abu Abdul Malik al-Athari, ta fadda. Peut-être que la tombe n'est pas avec nous. C'est par rapport au hadith du serpent. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut tuer aucune bête?
Non. Naam. Je n'ai pas dit il faut tuer aucune bête. Je dis avant de tuer, il faut être sûr que ce n'est pas un djinn, c'est tout. Avant de tuer, il faut être sûr que ce n'est pas un djinn, c'est tout. Pour ne pas tuer un djinn musulman. Pour ne pas tuer un djinn musulman. C'est pas difficile de dire trois fois. أنت في حرج أو أنت أنت في حرج حرج إن ظهر لنا كما دي ابن حجر العسقلاني نسبي كنسو صحيح دون صحيح البخاري نعم sinon bien sûr on doit le tuer on ne peut pas rester avec un serpent dans la maison نعم طيب la tombe a dit السلام عليكم عليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته سمعت نعم ما كيسيون مشي با موتي استغفر الله وتوب اليه طيب بكومونس باغ سمعت في احد نعم سمعت Je ne sais pas pourquoi l'écran défait. C'est le mérite qui a un achat de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Il est wajib à l'insan de lire al-Fatiha, hatta, ou le kana ma'mouman, parce que c'est un arcane salat. Lani, hel, huwa, sa'alani, huwa, hel, ta koun hadi al-qira' ma'a l'imam, idha kouna nisma'u, ou bisir bin nisba, di, ou alan, aqra'aha di wahdi, afiduna jazakum lau khayran. Naam, est-il qu'il existe un hadith qui dit la fin du monde ne surviendra pas jusqu'à ce qu'il y ait et quel est son degré d'authenticité il commence par lire la Fatiha derrière un imam qui lit à voix haute justement je l'ai expliqué la semaine dernière inshallah ta'ala j'ai donné tous les adillas et j'ai dit quelle était la vie auquel je penchais et que c'était bien sûr la vie de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah et la vie de Cheikh Al-Albani alayhi rahmatullah que derrière un imam qui lit à voix haute on ne lit pas à voix haute on l'entend non on l'entend fait d'après le Coran استمعوا له وانصتوا et le hadith من كان له إمام فقراءة الإمام له قاء Cheikh Al-Albani a dit ce hadith a abrogé la lecture هذا الحديث نسخ القراءة وراء الإمام هكذا على الشيخ ابن الشيخ الألباني رحمه الله وانظر هذا بالتفصيل وموسى في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام فهو كثيرة وأن الصحيح أننا لا نقرأ وراء الإمام إذا كان يجهر والله سبحانه وتعالى أعلم pour ce qui concerne la deuxième question je ne connais pas un hadith qui dit un musulman dans chaque maison mais je connais un hadith qui dit que jusqu'à ce que l'islam rentre dans chaque maison c'est pas un musulman dans chaque maison mais jusqu'à ce que l'islam rentre dans chaque maison là c'est avant bien sûr car après c'est à dire la fin du monde ne sera que lorsqu'il n'y aura plus d'islam la fin du monde ne sera que lorsqu'il n'y aura que les kuffars tous les musulmans mourront, tous les croyants mourront, alors là viendra la fin du monde, Inch'Allah ta'ala. Non. Maintenant, je reviens à la tombe. Tout d'abord, Cheikh, j'espère que votre voyage s'est bien passé, que vous allez bien. Non, mon voyage s'est bien passé, Alhamdulillah, Alhamdulillah, ala kulli hal. Abu Abdul Malik. بارك الله طيب أسوكي من فات point rouge دون un point rouge إن شاء الله تعالى نسكوزي نعم
nous allons bientôt, inshallah, répondre aux mails concernant le dars, qui est de faire face à la pierre noire. Alors que l'on que Allah vous préserve, ainsi que nos proches et nos frères et sœurs fidèles, présents et absents. Amin. Jazakallahu khair. Naam. Quant à ton email, je n'ai pas encore rendu aux emails. Inch'Allah ta'ala, je réponds. Quant à la pierre, la sunna, c'est de l'embrasser. C'est de l'entroit, trois sunna. Je commence par la meilleure et je descends. La meilleure, pour celui qui peut, c'est d'embrasser la pierre noire. Celui qui ne peut pas embrasser, c'est la deuxième sunna. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il la touche avec sa main. Et celui qui ne peut pas toucher, il va à la troisième sunna. C'est quoi? C'est de lui faire un signe. Hein, il fait à la pierre noire, il lui fait un signe avec sa main de loin. Il y a touché de loin. Mais quand j'ai dit que embrasser la pierre est une sunna, ce n'est pas attention, yani, en faisant du mal aux gens et en faisant tomber et en frappant les gens avec les coudes pour arriver à embrasser la pierre noire. Dans ce cas, au lieu d'avoir le hajj, va avoir des pieds pour avoir frappé les gens avec les coudes pour les avoir fait tomber, etc. C'est pour ça que quand tu peux pas, tu touches seulement. C'est pas la peine d'essayer d'embrasser, tu es même de mourir. Quand tu mets ta tête à l'intérieur pour embrasser, on risque de te pousser, de te coller la tête à l'intérieur et même de t'asphyxier, de mourir. Non. C'est pour ça que quand quelqu'un ne peut pas embrasser, il touche ses toits avec sa main. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne d'après l'intention. Car il voulait embrasser, n'a pas pu. Et que quand quelqu'un ne peut pas, c'est un signe de loin. Alhamdoulilah, il s'éloigne. À 100 mètres ou à 200 mètres, il fait seulement un signe. Alhamdoulilah, c'est pas la peine. L'islam, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, maja'ala fi dini min haraj. Maja'ala fi dini min haraj. Naam. Cheikh, lorsque vous avez répondu à une question, inshallah, pouvez-vous nous informer concernant le début du cours sur le tawhid dans notre salon chemin du pardon? D'abord que je fasse la salat istikhara avant de commencer. Quand je fais, inshallah, la salat istikhara, et je sens que je commence, inshallah, je vous informerai du jour. Il n'est pas loin, inshallah, ta'ala. Sa'd ibn Mu'adh, tafadhal, inshallah. Salam alaikum. Quel est l'avis le plus fort selon vos chefs entre ceux qui disent le sitar, couvrir le visage et les mains est une obligation, et ceux qui disent que cela n'est pas. Quel conseil donneriez-vous à une sœur vivant dans une sœur à peur d'esconder? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Le son est là. Subhanallah al-Azim. Dès que j'écris, excusez-moi de fermer la salle, le son vient. Masha'Allah. J'ai dit que dès que vous sentez qu'il je vais écrire comme ça en rouge, il va avoir peur, il va venir, inshallah ta'ala. Non. Je disais que moi j'ai lu ce qu'on dit ces ulama et ce qu'on dit Cheikh Al-Albani. J'ai été convaincu par ce qu'a dit Cheikh Al-Albani l'Armo, que c'était recommandé. Ce n'est pas obligatoire, mais que c'est recommandé. Il dit à condition
que la femme ne soit pas une fitna. Il a dit, si la femme est vraiment belle, c'est une fitna qui attire le regard, il a dit, ça devient pour elle obligatoire qu'elle le mette. Ça devient pour elle obligatoire pour le mettre. C'est pour ça que je donne un conseil à toutes mes sœurs, prier. Je dis à ma sœur qui est mariée, si tu peux mettre le sitar, mets-le, c'est beaucoup mieux. Parce que mariée, tu n'es que pour ton mari, tu n'es que pour ton mari. Et Yanni, je ne vois pas pourquoi alors tu montrerais ton visage. Je ne vois pas pour qui tu voudrais montrer ton visage, surtout que l'homme aimerait toujours que la femme ne soit que pour lui, car la jalousie des hommes est connue. Naam, surtout une femme qui est mariée, et maintenant surtout elle est assez âgée, pourquoi je ne vois pas pourquoi elle ne mettrait pas le sitar. Maintenant, celle qui a peur du regard d'autrui, quand elle le met, il faudrait qu'elle sache que on va la voir à travers, etc. Et justement qu'elle accepte. Naam, il faut dire que en France ou là, ce n'est pas facile. Il y en a entre les gens qui, celui-là rigole, celui-là fait un clin d'œil, celui-là il dit des bêtises, celui-là il dit, je ne sais pas ce qu'il dit. Mais tout ça, c'est du ajr. Tout ça, c'est du ajr pour toi. Maintenant, si quelqu'un, si une femme le met, et sait qu'elle risque d'être frappée ou là, celle-là, il y en a, il faudrait que cette principe précaution, elle ne sorte par exemple qu'avec un homme, et qu'elle ne sorte qu'avec un homme. C'est pour ça qu'on revient toujours à quoi? On revient toujours à la base qui est quoi? Qui est de faire la hijra. On revient toujours à la base qui est de faire la hijra. Quand quelqu'un fait la hijra, yani, il met le niqab, il se cache le visage, il se cache, yani, tout ce qu'il veut, alhamdoulilah, il n'a aucun problème. Il est dans un pays de musulmans. En Belgique, là, en Belgique, je ne sais pas quel est le niveau de l'islam. Ils mettent une amende, Allahu Akbar. Naam. Allahu Akbar, c'est la première fois que j'entends cela. En Belgique, il y a une contravention contre la sœur qui porte le sitar. Allahu Akbar, à Bruxelles. Naam. Et avoir un peu de lip dans le cœur pour quitter ce pays où on ne me laisse pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme je veux. Non, je ne reste pas dans un pays où je veux faire des choses pour Allah subhanahu wa ta'ala et le kafir m'en empêche. Le kafir. Moi je suis mieux que le kafir. Moi je suis peut-être en bas. Maintenant c'est le contraire. C'est lui qui me commande et c'est lui qui, yani, il me dit tu fais cette chose, tu ne fais pas cette chose. Al-Muhim, Allah subhanahu wa ta'ala al-Musta'an. Khair inshaAllah ta'ala. Abu Ahmed, tafaddal. آمين جزاك الله خير استاذ من وعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Un frère demande, je travaille une nuit et je perds l'usine avec un groupe de frères. Cependant, il se bat sur un calendrier qui est en avance de 30 minutes par rapport au mien. Dois-je eux ou vous seul? De plus, ils font les frères qui se basent sur un calendrier qui est en avance de 30 minutes, ou bien même en étant en avance de 30 minutes, l'heure de la prière est rentrée, ou ça c'est toi qui dors de l'adhan. Abou Ahmed, il n'y a pas le son? Maintenant, il y a le son ou là, il n'y a pas? Alhamdoulilah. Je disais que ce qui avance, ce qui se base sur un calendrier, ce qui se base sur un calendrier où c'est avancé de 30 minutes, je ne sais pas moi, est-ce que tout en avançant la salle de 30 minutes, est-ce que son heure est rentrée ou là n'est pas rentrée? Je ne sais pas. Si la personne qui pose cette question, si elle trouve dans son cœur, elle se dit, moi ceux-là, je suis sûr qu'ils sont en train. Ah, il y a deux calendriers, on ne sait pas lequel est le juste. Ah, ça c'est autre chose. Ça, shift. Ça, c'est les deux ont un décalage de 30 minutes. C'est drôle. La hawla wa la quwwata illa billah, c'est une fitna. Ces deux calendriers sont donc une fitna. Non. Un décalage de 30 minutes, c'est beaucoup. Wallah, c'est beaucoup. Un décalage de 30 minutes, c'est beaucoup, surtout pour Salat Subh al-Maghrib.
surtout pour salat subh et salat al-maghrib. Allah Musta'an, naam, Allah Musta'an, je ne sais pas quoi répondre. Je dis seulement ce que Allah subhanahu wa ta'ala te juge d'après ce qu'il y a dans ton cœur. Naam. Si toi, dans ton cœur, tu sens que, si toi tu sens, te base sur ton calendrier, naam. Si tu sens que ton calendrier est le plus juste, ça veut dire que tu dois te baser sur ton calendrier. C'est comme si on ne connaît pas la Qibla, mais je me base sur mon cœur, où mon cœur m'a dit que c'est ce côté la Qibla. Naam. Bien sûr, en se basant, en essayant d'abord de demander, ensuite se baser sur les signes, etc. Maintenant, s'il n'y a rien, tu me bases sur son cœur, Inch'Allah Ta'ala. Il demande aux étudiants avant les autres. Ça y est, voilà en ce qui concerne pour le calendrier. Naam. Et Inch'Allah Ta'ala, ils doivent demander aux gens officiels, pour essayer de savoir, Inch'Allah Ta'ala, quel est le calendrier le plus juste. S'il ne connaît pas, il se base, Inch'Allah Ta'ala, sur son cœur. Naam. Il se base sur son cœur, même s'il ne fait pas la salat avec les autres. S'ils sont que son calendrier le plus juste, il fait la salat d'après son calendrier. Ibn Azza 230, qui s'appelle Isba'in, qui est de Belgique, et que vous savez tous, il ne boit pas. Naam, tout à l'heure, il était le premier de la liste. Ensuite, il s'est déconnecté. Il se trouve maintenant l'avant-dernier. C'est pour ça que je m'excuse si je vais le faire monter en haut, Ibn Azza, car il s'est déconnecté. Et ce n'est pas seulement pour lui, quiconque. Quiconque se trouve en haut, ensuite qu'il m'en fasse pas. Après, Inch'Allah, tu poses ta question. Et dans le point rouge, je ne vois pas où est-ce qu'il est d'abord. Il était en haut, où est-ce qu'il est? Je suis en train de le chercher. Et voici les bâtons. 237. Ismaïl, lève ta main pour que je te vois. Ismaïl, lève ta main pour que je te vois. Le premier. Ça y est. Nathan, Ismaïl, je t'ai enlevé le point rouge maintenant. Non, puis le point rouge. Ça va prendre le micro. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ محمد كيف حالكم بارك الله فيك من الدار Ben voilà, je voudrais bien poser une question parce que, comme vous savez, bon, j'ai des problèmes de connexion. Ben voilà, donc je voudrais bien savoir parce que tantôt vous allez parler, comment dire, de Jannah, yani du paradis. Alors voilà, ma question est, yani, est-ce que c'est vrai que, d'après ce que l'on m'a dit, qu'il y aurait en fait 8 portes pour le paradis, yani, qu'il y aurait des niveaux, yani, pour le paradis. Si c'est vrai, pouvez-vous m'expliquer, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est en fait l'histoire avec les 8 portes du paradis et les différents niveaux, parce que là, je n'ai pas très très bien compris. Et j'aurais aussi deux autres questions, mais pour la troisième question, je préférerais vous la poser en privé. Mais quant à la deuxième question, je vous la poserai après le cours, si cela ne vous
après le cours, si ça ne vous dérange pas, mais pour la deuxième, bien sûr, ce sera concernant le cours. Barakallahu fikoum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mon frère Ismaïl. Je n'ai pas entendu la deuxième question. Je n'ai entendu qu'une seule question. Quant à la première question des huit portes du paradis, je ne l'ai pas encore bien comprise. Mais j'ai compris que tu voulais savoir s'il y avait huit portes, si c'était vrai, etc. Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, a montré qu'il y avait huit portes. Et il a dit, je crois qu'il a demandé pour les degrés, il a dit que quiconque faisait le wudu, etc., un bon wudu, et quand il fait le doa, que huit portes du paradis s'ouvraient. Les huit portes du paradis s'ouvraient. Quant aux huit portes, تفضل إسماعيل، tu as pris le micro. تفضل. نعم شيخ، voilà ça pour la deuxième question. Je me rappelle plus très bien pour la deuxième question. Mais en tout cas bon, pour la première question je voulais poser, c'est avec le paradis. Je voudrais vous dire Shukaran pour avoir yani répondu à ma question, mais ce que je n'ai pas bien compris quand vous avez yani parlé du paradis, c'est concernant les catégories yani je veux dire que les huit portes, est-ce que chaque porte du paradis, yani, est-ce que c'est pour une catégorie de personnes? Enfin, comment est-ce que ça marche? Je n'ai pas bien compris l'histoire. Pour la deuxième question, je préférerais vous la poser en privé si ça ne vous dérange pas, vu que ça n'a rien à voir avec le cours. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je disais que, en ce qui concerne les portes, certes, s'appelle Rayyan. Une de ces portes, c'est Rayyan. Et c'est spécialement pour ceux qui, quoi, qui faisaient le jeûne beaucoup, hein, jeûner beaucoup, surtout les nefs, les lundis, etc. Et ceux qui rentrent par cette porte, de, par exemple Riyan, trouveront à l'intérieur des choses que les autres n'en ont pas. Non, trouveront des choses que les autres n'en ont pas. C'est pour ça que chaque porte contient, quand tu rentres d'elle, tu trouves des choses qu'il n'y a pas si tu étais rentré par d'autres portes. C'est pour ça que plus quelqu'un par exemple est croyant et pieux, plus il lui est permis de rentrer de plusieurs portes. Et plus tu es faible d'état, plus il y en a moins, il ne pourra rentrer par les portes. Et peut-être que il sera astreint à une seule porte, par exemple. C'est pour ça que on doit faire beaucoup de, on doit être beaucoup sincère et faire beaucoup de bonnes actions et être yani, au maximum pieux pour qu'on puisse le jour du jugement dernier rentrer bien une porte, comme Abu Bakr Siddiq. Mais il y a, ça s'applique-t-il à ceux qui fument? Naam. Tu as terminé la question, tu écris numéro 1. Naam. Est-ce que tu as terminé la question, tu écris numéro 1? Ça y est. Jazakallahu khairan. Le hadith s'applique aussi à ceux qui fument la drogue. Parce que la drogue, c'est khamr. Je ne sais pas que le dukhan est khamr. Khamr, ça veut dire. Certes. Le dukhan, la cigarette est haram. La cigarette est haram car elle fait mal, elle donne le cancer, c'est de l'argent, c'est comme ça, droite à gauche, dans le haram, etc. La cigarette est haram et n'est pas, comme disent beaucoup de gens, ne pas à ceux qui fument. Mais
s'applique à ceux qui fument la drogue. Par exemple, là, on ne doit pas rester avec des gens qui fument, ils veulent pas arrêter cigarette, ça c'est autre chose. Mais c'est pas moi qui choisis, il y a des gens qui sont en train de fumer, je vais m'asseoir avec eux. Déjà premièrement, il est en train de faire le haram et toi tu l'assistes, tu assistes son haram. Et deuxièmement, il va t'enfumer, lui il fume et il t'enfume. Et les médecins ont dit, quand on est enfumé, c'est plus grave. Que de fumer, ça veut dire que ça fait plus mal. Lui qui fume, il a mal sur la poitrine, des poumons. Non, c'est pour ça que, dans tous les cas, on ne reste pas avec quelqu'un qui fume, sauf bien sûr, comme j'en ai dans le banc ou là dans l'eau. Wallahu azza wa jal a'lam. Oum Abdel Haq, tafaddali. بارك الله فيك يا عبد الرحمن. بصير نعم أم لقمان خير فقطوا. وعليكم. لكن de ces deux salaf pouvez-vous le recommander, le plus recommandé ou dire qu'il est méritoire? Si une personne ne peut pas faire les deux régulièrement mais seulement une, salat duha ou les salat rawatib, ce sont les 12 naam. Pourquoi? Parce que les 12 rak'at, ce sont des prières très recommandées, sunnah mu'akkada, alors que la duha, ce n'est pas une sunna, ce n'est pas une ratiba, ce n'est pas une salat très recommandée, elle est seulement recommandée. Donc il y a une grande différence entre les 12 rak'at et la salat. Quelqu'un ne peut pas entre les deux, qu'il fasse les 12 rak'at pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui bâtisse une année dans le paradis ou dans un palais. Non, c'est beaucoup beaucoup mieux que salat al-duha, car ces 12 rak'at sont une sunna très recommandée, alors que la duha, elle est seule recommandée. Amin ya rabbi al-alamin. Oum Luqman, tafaddali. Inch'Allah sur Maryam, Abou Maryam. Inch'Allah, c'est l'heure, Inch'Allah, de se séparer. Abou Maryam, Inch'Allah, sera le dernier. Jazakoum Allah khayran, barakallahu fikoum. Abou Maryam sera, Inch'Allah, ta'ala, le dernier. أم القمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الله يحييك يا شيخ. أنا حياك الله. أنت أيضا ما كيسون كالي بحكم vis-à-vis du salam lorsqu'on rentre seul ou en groupe dans une maison ou dans une chambre, doit-on passer? Si oui, à qui est adressé ce salam? بارك الله فيكم. Ibn Hajj al-Asqalani, en expliquant Sahih al-Bab, pardon, on explique en fait Bari, les djinns, je ne vous fais pas, Inch'Allah Ta'ala, de problème. Naam, donc, Inch'Allah Ta'ala, si ça se fait que quand quelqu'un rentre, il dit salamu alayhi wa ibadallah salihin, et c'est dans Fath al-Bari. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Ahlu sunnah, tafaddal. Cheikh, une soeur demande, elle doit faire ruqya, mais n'a pas de mahram.
comment doit-elle faire? Doit-elle prendre quelqu'un d'autre? S'il quitte une soeur, le monde doit faire ruqya. Il n'a pas de mahram. Doit-elle prendre qu'un? Si oui, qui? Ma'am, si elle est dans l'obligation de faire la ruqya, il n'a pas de mahram, il ne faut pas qu'elle soit tête à tête avec. D'abord, avant cela, j'allais poser une question. Est-ce que la sœur a dit va faire la ruqya chez un homme? Pardon, je parle de la ruqya ou de la. La hijama. Ah, là, ça. Moi, je pensais à la hijama. Si c'était la hijama, j'allais dire chez un homme. Non. Mais la ruqya, elle peut parce qu'il ne la touche pas. Est-ce qu'il n'y a pas de sang? Tu m'as écrit zéro. Est-ce que tu es sûr qu'il n'y a pas de sang? Al-Sunna, est-ce que. Al-Sunna. Tamallah, il y a le sang. Non. Non, je disais que je ne dois pas rester en tête à tête avec celui qui va lui faire la ruqya. Elle doit prendre, par exemple, un couple, au moins un couple avec elle. Par exemple, une et son mari. Ou là. Mais pas en tête à tête. Ou au moins, par exemple, il y a un couple là, c'est moins. C'est moins grave. Elle dit, quand elle est dans le besoin. Sinon, elle n'est pas dans le besoin, c'est pas la peine d'ouvrir cette porte. C'est pas la peine d'ouvrir cette porte. Naam. Fadal Abu Abdel Malik. Abu Abdel Malik a fait. Naam, j'ai dit, elle n'a pas de mahram. Sah, elle n'a pas de mahram. Elle ne reste pas en tête à tête avec lui. J'ai dit que, par exemple, avec un couple. Non, s'il y a un couple, il y a l'homme qui fait la ruqya. Ou bien, s'il y a des femmes, 3-4 femmes, mais pas seulement elle et lui en tête à tête. C'est ça ce qui est intéressant. Le mahram, c'est pas spécialement pour la ruqya. Le mahram, c'est fait pour le voyage. Quand une femme voyage, elle a besoin de mahram. Ce n'est pas yani, pour toutes les choses. C'est pour le voyage, quand une femme voyage, elle a besoin de mahram. Et quand elle est malade, il n'y a pas de solution. Au moins, yani, elle prend le maximum de prudence, c'est au moins de prendre d'autres gens avec elle pour ne pas être en tête à tête. Muslim normal, ta femme. Assalamu alaikum. Je voudrais comprendre pourquoi avait cité qu'on met le mardi, alors que c'est mardi, que Allah Ta'ala qui est le mal. Je voudrais savoir, comprendre pourquoi avoir cité qu'on met le mardi, alors que c'est que Allah Ta'ala a créé le mal. Ça y est. Quand j'ai dit que vous avez. Non, quand tu dis musulman normal. Quand tu dis musulman normal, j'attends ce que tu veux écrire. C'est fini, ma'am. Une seconde. Ma'am. Je répète, pour la hijama, les meilleurs jours, ce sont lundi, mardi et jeudi. Et les mauvais jours où on ne doit pas la faire, c'est quoi? C'est vendredi, dimanche et mercredi. Vendredi, samedi, dimanche et mercredi. Ma'am. Ce n'est pas moi qui ai cité cela. Bon, moi, bien sûr, j'ai cité cela. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit cela. Non, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit cela et qui a
choisi ces jours, vous savez, le prophète Ali Sultan est plus savant, car il ne veut, il ne tire pas comme ça les choses de sa tête. Donc, je répète, les meilleurs jours, c'est lundi, mardi, jeudi. Les mauvais jours, on ne la fait pas, c'est vendredi, samedi, dimanche et mercredi. Allah subhanahu wa ta'ala, alam. Naam. Abou Mali m'a dit, salam alaikum, cher samedi, vous avez dit que celui qui fait 10 dans la mosquée jusqu'au furoq, ensuite prie 2 rak'ah, c'est comme s'il avait Hajjah et Omra. Est-ce que cela n'est vrai que pour la Jama'a? Naam, justement, le hadith a cité dans la condition la Jama'a. Il a cité la Jama'a. Il a dit quiconque prie en groupe. C'est ça. Il a dit quiconque prie en groupe. Ce n'est pas pour celui qui prie seul. Et il reste jusqu'au lever du soleil. Mais pour Allah alayhi wa sallam. Ta'am Allah, fi sawt ou la ma fiche? Ta'am Allah, fi sawt? Naam, je dis que je dis à soeur, travers elle, à tous les autres qui m'entendent. Que tant que Allah subhanahu wa ta'ala tôt ou tard lui fera une issue. C'est lui qui a dit ça dans le Coran. Non, c'est lui qui a dans le Coran. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَزْدُقُونَ حَيْتُ وَيَحْتَسِبُ. Quiconque craint Allah, il lui donne des issues. Ça, c'est un verset. Je n'ai pas tiré de ma tête. Quoi. Je dis bien quiconque. Car Allah ta'ala dit man. Et man. تفيد العموم كما هو مقرر في الأصول من هذه quand il y a من ça veut dire ça se généralise, c'est général pour tout le monde. Quiconque craint Allah subhanahu wa ta'ala et est sincère avec lui, Allah ta'ala lui fera une issue. Si Allah ta'ala tu as des problèmes et te donne pas une issue, ça veut dire que tu n'as pas assez craint et tu n'es pas assez sincère, c'est tout. Car Allah ta'ala jamais il dit une chose et il ne l'applique pas. Quand il dit une chose, il faut qu'elle vienne. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, la yukhlifu l'ouad. C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, il exauce toujours la chose quand il dit, yani, quiconque fait cela, je lui donne cela. Donc, je dis à ma soeur celle-là, tu es très énervée, tu as maintenant beaucoup de problèmes, tu n'es pas stable à cause du divorce. Bien sûr, le divorce ce n'est pas une chose facile, mais pour que tu sois encore, Inch'Allah Ta'ala, que, Inch'Allah Ta'ala, sois plus apaisé et plus tranquille, sache et dis-toi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Amrul al mu'min kullu khayr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout ce qui arrive aux croyants, c'est quelque chose de bien. Que tu le saches ou que tu ne le saches pas. Dis-toi que ce divorce est, Inch'Allah Ta'ala, pour toi du bien. Naam. Car comme a dit Allah Azza wa Jal, Asan tkarahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il est possible que vous détestiez une chose alors que c'est du bien pour vous. Alors dis-toi que Inch'Allah ta'ala, que divorce qui est venu qu'adar Allahumma shafa'al,
a été écrit 50 lucrimons. C'était écrit que tel jour vous alliez divorcer. Et que vous alliez divorcer pour ton bien, Inch'Allah Ta'ala. Ce n'est pas que tu souffriras. Mais ça, c'est une épreuve. Une épreuve que tu dois passer et que chaque minute il a des. Toi, par le divorce, l'autre, il perd son fils, doit manger. On a un iman, une foi qui est vraiment faible. Donc toi, Inch'Allah Ta'ala, dis-toi que Allah Ta'ala va t'ouvrir les portes très bientôt. Il suffit seulement de patienter un peu et d'avoir confiance en lui et de revenir beaucoup vers lui. Et c'est bien de pleurer, même si tu pleures, c'est bien de pleurer et de faire du'a, de lever beaucoup les mains et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de lui demander de te faire une issue. Et tu verras qu'Inch'Allah ta'ala très bientôt une issue. Et tu dis qaddara Allahu ma sha fa'al, l'homme ajirni fi musibati. Et l'homme ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Et la fatigue que tu as, etc., Allah subhanahu wa ta'ala va descendre toi, va enlever de la lumière dans ton cœur. Plus Allah subhanahu wa ta'ala on va vers lui, plus il nous descend de la sérénité dans notre cœur, de la tranquillité. Et on se sent, Inch'Allah ta'ala, pour la fatigue, il faut essayer de la combattre. Premièrement, il faut prendre des fortifiants, pourquoi pas. Et on demande au médecin. De nous donner des choses qui nous fortifient, mais pour fortifier, on tient beaucoup. Et plus notre cœur est faible, plus une petite maladie, et yani, on tombe, yani, KO. Je voudrais te dire, avec cela, Inch'Allah Ta'ala, je vais terminer. Je voudrais te dire que, Inch'Allah Ta'ala, patiente et essaye de, comme je disais, de fortifier ton cœur en revenant vers Allah et de le fortifier aussi. En prenant ce que les médecins nous ordonnent, hein, quand on traverse une période comme ça de fatigue, on a besoin des fois de médicaments et de fortifiants. Tout ça, ça rentre, Inch'Allah Ta'ala, dans le qada ou le qadar. Hein. Une seconde, mon iman n'est pas touché, c'est ma pratique. Ma pratique. Moi, je bougé, je suis fatigué. Hein. Puisque ton iman n'est pas touché, alhamdoulilah. C'est l'essentiel. Tu as l'iman, c'est l'essentiel, alhamdoulilah, azza wa jal. Est-ce possible qu'il doit faire ruqya si je n'ai rien dans l'iman? Mes analyses, naam. S'il n'y a rien dans les analyses, tu commences par les rien dans les âmes et plus proche de toi, tu commences par la ruqya. Si la ruqya est plus facile pour que tu la fasses, tu peux la commencer avant les analyses. Car des fois, on peut être atteint de sihr et on peut être atteint de mauvais œil. Et le sihr, par exemple, il y en a beaucoup de sortes. L'une, si on se sent tout lié, on se sent fainéant, on ne veut pas aller au travail, on ne veut pas, on s'habille n'importe quoi. En souliers, en des sandales, n'importe quoi dans la rue, ça c'est aussi à cause du sihr. Le sihr du khumul, ça s'appelle, qui est spécialement fait pour qu'on se dégoûte et on dégoûte sa vie. Et beaucoup de gens, bien sûr, ont le sihr, ils ne savent pas, mais sauf ils disent on a fait toutes les analyses et il n'y a rien, il y a quelque chose, il y a le sihr que tu n'as pas encore fait sortir. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve, qu'il éloigne de nous tout mal et qu'il nous guérisse de nos maux. Inch'Allah Ta'ala, on en a rendez-vous mercredi pour continuer la salat, la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce jour, je vous laisse. Il est minuit ici au Koweït.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.